à la fois contente, à la fois un peu stressée parce que il y avait beaucoup de monde dans la salle, donc j'avais un peu le stress. J'ai appris plein de chansons d'Amadou et Mariam que je les connaissais pas, et à chanter, à lever un peu la voix. Grâce à ce projet, en fait, j'ai un peu envie d'apprendre à chanter encore et encore. J'ai pu rencontrer des personnes, j'ai pu apprendre de nouvelles chansons et apprendre de nouveaux mots en bambara. J'ai appris Bofusafu, ce qui veut dire un peu que tu es flemmard et que tu fais rien dans la vie. Marmots, c'est un projet que porte l'association Ville des Musiques du Monde depuis 2008, en partenariat avec l'Éducation nationale. En fait, c'est un projet de parcours d'éducation artistique et culturelle, où on fait découvrir à des enfants de classe primaire un répertoire musical. Donc, ils apprennent à chanter, généralement dans une langue étrangère, avec des artistes qui viennent d'ailleurs. Donc, cette année, c'était Amadou et Mariam qui viennent du Mali. Et l'objectif, donc, c'est de leur faire apprendre les chansons de ces artistes-là, de les préparer à faire un concert et de découvrir tout autour la culture qui va avec le pays. Culture musicale, c'est-à-dire que j'ai appris de nouvelles musiques, des chanteurs que je connaissais pas. Avant, je connaissais pas. Maintenant, je les aime bien. Je joue du piano. Et l'année prochaine, je compte bien m'inscrire dans un conservatoire. Et donc, est-ce qu'ils t'inspirent un peu, leur exemple t'inspire d'Amadou et Mariam? Est-ce qu'ils te donnent envie de travailler et de pas être une beaufoufsafou? Moi, ça me donne envie de travailler parce que, moi j'aime bien étudier, travailler, tout ça. Donc, comme dirait Mariam, faut pas croiser les bras dans la vie.